Dans cette capsule Pêche 101, là, Marc-André, j'aimerais qu'on fasse le tour un peu de quelqu'un qui décide que lui, il veut faire ça, de la pêche de la truite mouchetée sur glace. Qu'est-ce qu'il a besoin comme équipement? Oui, intéressant. Je pense qu'à la base, l'affaire la plus importante, c'est que si tu vas à la pêche sur glace puis t'as froid, t'auras pas de plaisir. Fait que je pense qu'il faut commencer par les vêtements. Oui. Bien important. Moi, cette année, je me suis procuré des bottes spécialement pour ça, que j'aime beaucoup. C'est des Sport Chief 1200 grammes. Okay? Évidemment, ils sont imperméables parce que des fois, il y a de la slush sur l'eau. Quand on perce nos trous, on fait sortir de l'eau. Les premières bottes que j'avais étaient caoutchoutées seulement sur la première partie. C'est pas l'idéal. Donc, 1200 grammes. Moi, je les ai pris un peu plus grandes, un point plus grand. Même des fois, on peut aller jusqu'à deux. On peut mettre une semelle chauffante, on peut mettre des bas de laine épais, tout ça. On veut pas geler. Hein? On veut... Si on veut avoir du plaisir. Deuxième chose, un habit comme ce que je porte en ce moment. Oui. Celui-là, c'est un Mustang. Deux raisons. Évidemment, c'est chaud. C'est très chaud. Puis en plus, c'est une veste de flottaison individuelle. Si par malheur, la glace défonce, vous flottez. Évidemment, ça nous isole du froid beaucoup, beaucoup. Un deux pièces comme ça, moi, je trouve que ça fait très, très bien 80 % du temps. Oui. Il y a peut-être le 20 % où il fait moins 25, moins 30. Ou d'une seule pièce, ça nous permet de garder plus notre chaleur, c'est plus chaud. Il n'y a pas d'entrée d'air par nulle part. Mais il y en a qui diraient, Dan, moi, à moins 25, je n'irai pas à la pêche. Oui, puis ce que je trouve intéressant de ce genre d'habit-là, c'est que tantôt tu l'as détaché, c'est que la section du bas, où sont les bottes, l'endroit qu'on peut se mouiller les pieds parce qu'il peut y avoir de la slush ou de l'eau, bien, il n'y a pas d'isolation parce qu'on est par-dessus les bottes. C'est 100 % en espèce de plastique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si notre botte de pantalon vient mouiller, bien, en fait, il n'y a rien qui peut mouiller parce que, regardez, ah, c'est en plastique. Oui. D'un bout à l'autre. Donc, c'est vraiment fait pour ça. C'est ouais, spécialement génial, pour ça. Ça sèche rapidement. Puis, on sait comment ça fait avoir un bas de pantalon imbibé, mais souvent, l'eau va finir par monter dans le pantalon. Ouais. Et dans ce cas-là, ça évite tous ces désagréments-là. Ouais. Génial. Puis, l'autre affaire que j'aime, moi, avec un deux pièces, comme en ce moment, là, il fait chaud un peu, toi, t'enlever le haut. Exact. Si c'est une pièce, bien, c'est plus mal commode. Là. Fait que, outre ça, Marc-André, ce que tu as dans le visage? Lunettes de soleil, pour les gens qui ont les yeux fragiles, un peu comme moi, on sait que la neige réfléchit beaucoup les rayons du soleil. Donc, lunettes de soleil, c'est vraiment préconisé, surtout pour les pêches de fin de saison, hein, parce que là, le soleil est quand même assez haut, vraiment. On sent la chaleur quand le soleil sort, hein, on le sent taper sur nous. Donc, c'est la même chose dans nos yeux. Les rayons du soleil frappent, la neige nous reviennent. Fait que même, je pense que pour protéger nos yeux, tiens, on va mettre en application ce que je dis. Écoute, après ça, on tombe dans... Avant d'aller à l'équipement de pêche, je te dirais, il n'y a pas juste les yeux qu'il faut protéger du soleil, c'est la crème solaire. À ce temps-ci de l'année, là vous ne me voyez pas, mais j'en ai mis hier. Je trouve qu'il y a des petits endroits où j'ai oublié d'en mettre. Puis ce matin, on me disait que j'avais vraiment le cou puis les oreilles rouges. Donc, quand le soleil est là, crème solaire, même en hiver, c'est très utile. Maintenant, il faut se rendre sur le plan d'eau. Quand on commence, on n'a pas nécessairement une motoneige, puis on n'en a pas besoin non plus. Là, hein? Il y a toujours un lac qui est facilement accessible, pas très loin de la route. Ce qui peut être bien, bien commode, c'est ce que j'ai à ma gauche ici, des raquettes. Oui. Hein? S'il vient de tomber beaucoup de neige, là, on ne veut pas caler jusqu'ici, là, c'est bien pénible. Puis un petit traîneau. Moi, j'en ai un modèle qui est vraiment fait, pas pour mettre derrière une motoneige ou un VTT, mais vraiment pour une personne qui marche. Ça permet de mettre tout le matériel là-dedans. On peut avoir les mains libres puis marcher avec ça sur le plan d'eau. Transport d'équipement, fait très bien. Je pense qu'on est rendu à l'équipement de pêche maintenant. Vas-y, je te laisse commencer. Équipement de pêche, évidemment, ça prend une perceuse. Marc-André, t'en as une derrière. Quand on commence, une perceuse manuelle, ça fait bien. Hein? Si vous aimez ça beaucoup, puis vous décidez d'y aller souvent, là, il y a d'autres options. Là. Qui dit trou, dit louche. Hein, évidemment, il faut pouvoir enlever la neige ou si la glace se reforme sur le trou, on a besoin de ça absolument. Oui, une nécessité en fait. Absolument, absolument. Après ça, ben, on tombe à canne à pêche versus brimballe. Ben moi, je dis canne à pêche. Tu dis canne à pêche versus brimballe. Moi, je dis canne à pêche et brimballe. En fait, c'est que je pense que les deux sont presque indispensables, surtout dans le cas de la pêche à la truite mouchetée. D'avoir une canne à pêche pour pêcher directement en dessous de nous avec notre sonar ou pas de sonar, pouvoir dandiner, c'est souvent la technique la plus efficace. Par contre, les brimballes, eux, ce qu'ils nous permettent, c'est de couvrir du territoire. Ça veut dire se déplacer sans nécessairement être là. Donc, on peut percer les brimballes à différents endroits sur la structure qu'on veut pêcher, ce qui va nous permettre plus facilement de souvent cibler où va être le poisson. Donc, une fois qu'on a ciblé où est le poisson à l'aide de brimballes, bien là, on peut se déplacer avec notre canne pour aller jiguer dans ce secteur-là. Puis en même temps, bien, c'est une
toute autre technique. Tu sais, souvent, le poisson, la truite mouchetée, n'est pas toujours en grande période d'alimentation, surtout l'hiver. Un poisson qui est un métabolisme qui est très au ralenti pendant la période hivernale, bien, d'avoir une technique comme ça, brimbale, ligne morte, donc pas d'action, au ralenti avec un appât comme le ver de terre, un appât vivant, souvent, ça peut être une technique qui va faire en sorte que ça va répondre de cette façon-là. Des fois, ça ne fonctionne pas parce que la truite, elle s'alimente, puis là, tu vas le voir, elle va venir sur des canadiers comme on l'a vécu. C'est beaucoup plus productif de cette façon-là. Puis moi, personnellement, question de goût, je trouve ça plus agréable qu'une petite canne. Ben oui. Sauf que, pour toutes les raisons que tu viens de dire là, ça vaut la peine d'avoir les brimbales aussi. Bien, en fait, c'est ça. Puis, tu sais, on a, pendant la période hivernale, dans la plupart des régions du Québec, on a le droit à 5 lignes. Donc, c'est impossible de jiguer avec 5 cannes. Ben non. On s'entend. Donc, d'avoir des brimbales puis de pouvoir couvrir plus de territoire. Mathématiquement, on met les chances de notre côté. Exact. Hein? Donc, on a parlé de percer des trous. Qui dit percer des trous dit glace. Ouais. Il y a une notion de sécurité là, qui va avec ça. Pour quelqu'un qui commence, quelle information tu donnerais aux gens pour être prudent et qu'il n'arrive pas un incident? Ouais, bien en fait, on va retrouver sur Internet un peu partout des consignes de sécurité par rapport aux épaisseurs qu'il faut respecter. L'épaisseur minimale qu'on dit aux gens de respecter pour que ce soit sécuritaire, c'est minimum 4 pouces de vraie glace, donc de glace franche, pour pouvoir embarquer et aller faire de la pêche à pied. Donc, un peu comme tu le disais, avec le traîneau, sans trop d'équipement lourd. Là, quand on embarque avec des motoneiges, avec des voitures, avec des gros camions, là, toutes les fois que je change de machine, je grossis, donc l'épaisseur de glace vient avec. Mais une fois qu'on a 12 pouces de vraie glace, donc de glace franche, à partir de ce moment-là, là, puis aucun danger, on peut embarquer sur l'eau avec un camion sans problème. Là. C'est-à-dire un camion, une motoneige, là, rendu là, 12 pouces de vraie glace, c'est très sécuritaire. Puis je pense qu'aussi, ce qu'il faut se méfier, tu me corrigeras si je me trompe, mais des endroits qui sont, entre guillemets, un peu plus dangereux peuvent être les entrées d'eau. Si on pêche le fleuve ou des rivières, méfiez-vous. Plus il y a du courant, plus la glace est susceptible d'être mince. Oui. Le courant varie d'un endroit à l'autre. Donc, ça demande d'être prudent. Là. Sur une rivière ou sur un fleuve, l'idéal, c'est peut-être d'être dans des baies où on sait qu'il va y avoir moins de courant. Oui. Peut-être pas pour se noyer, mais pour éviter de se mouiller, il faut se méfier aussi. Souvent, c'est en embarquant sur la glace. Hein. Le joint, on va dire ça comme ça, le joint entre la terre ferme et la glace, là, c'est pas franc. Des fois, il y a de l'eau qui s'infiltre là. Fait que des fois, c'est là que la glace casse, puis on peut se mouiller. Au bord, c'est plus rare que c'est très profond. Ouais. Il ne faut jamais se fier aux apparences parce que souvent, la glace va se détériorer par en dessous avant de se détériorer au-dessus. Donc, on peut arriver sur le cours d'eau où il y a du courant, par exemple, puis avoir l'impression que la glace est franche et solide. Mais souvent, le courant, tout ça, va faire que la glace va s'user par en dessous. Et ça, on ne peut pas le percevoir là, de sur le dessus. Donc, ça fait attention. Moi, ce que j'ai déjà fait, que je trouve pas bête quand tu n'es vraiment pas sûr, là. Tu sais pas. Exemple, ça fait 3 semaines. Que le lac est glacé. 3 semaines, des fois, ça a le temps d'épaissir pas mal, mais ça dépend de la météo. Des fois, on peut faire quelques pieds sur le lac, quelques pas, on se perce. Fait que si jamais il y a un problème et que ça défonce, théoriquement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais. C'est nous. Hein? On se noie pas. Là, on vérifie. Ah, OK. Là, on a notre épaisseur de glace. On peut voir si c'est de la glace franche ou non, etc. Puis là, on prend une décision, si c'est sécuritaire ou non. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas un poisson qui vaut une vie. Là. Bien, je pense que ça fait le tour un peu, Marc-André. Bien, canne à pêche, brimbale, ça prend ça dans notre kit. Sonore, bien, les sonores, c'est pas une obligation, mais on l'a vu, hein, puis avec les années, on travaille de plus en plus avec ça. C'est très, très efficace pour trouver, localiser le poisson. Je pense que rapidement, quelqu'un, mettons, qui commence sans ça, après un certain temps, il va sentir le besoin d'aller vers ça. Puis des sonores comme ça, qu'on le prenne avec Panoptix ou non, dans le cas de Garmin, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que des fois, les gens disent « Ouais, mais c'est un petit peu cher. » Attendez, là, un kit comme ça, c'est portable. Ça veut dire que votre investissement que vous faites pour la pêche blanche, vous pouvez l'amener dans une chaloupe ou dans votre bateau l'été. Là. Donc, il peut servir tout le temps. Il faut vraiment voir ça comme un investissement sur plusieurs années puis qui va servir toute saison. Exact. C'était très, très bien expliqué. Donc, et voilà, je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. Fait que je vous encourage à essayer ça. Moi, j'en avais fait beaucoup à une certaine époque, la pêche blanche. J'ai presque arrêté ça complètement pour différentes raisons. Puis j'ai recommencé à en faire. Puis vraiment, vraiment, j'aime beaucoup cette activité-là. Ça nous fait mettre le nez dehors l'hiver. Hein? Ça nous... Des fois, on n'aime pas l'hiver, on devient morose. Des fois, on entend parler de dépression saisonnière. Ouais. C'est sûr que si on est toujours dans la maison, ça finit par être long et plate. Fait que sortons dehors, profitons du plein air, puis allons nous amuser à capturer la truite mouchetée ou d'autres espèces sur glace.